Bienvenue à l'académie de Dovetail Games Eurofishing. C'est une belle journée au bord du lac de l'Observatorie. Une légère brise souffle sur l'eau et les conditions sont idéales pour acquérir des compétences essentielles qui vous permettront d'attraper des poissons où que vous pêchiez. Au cours de cette première leçon, nous allons passer en revue les bases de Dovetail Games Eurofishing. Nous parlerons ensuite de la recherche du bon emplacement, de l'utilisation de différents appâts et montages, et des techniques à appliquer pour vous préparer en vue d'une session idéale. Parfait. Il semblerait que vous ayez compris leur fonctionnement. Sinon, la journée aurait été longue. Ce lac propose plusieurs postes où vous pouvez installer votre équipement. Vous pouvez repérer un poste en cherchant un panneau comme celui-ci. Pour l'instant, installons-nous ici et préparons votre équipement de pêche. Lorsque vous occupez un poste, il est à vous. Personne d'autre ne peut venir y pêcher tant que votre équipement s'y trouve. Cependant, sachez que si vous vous éloignez trop et laissez votre poste sans surveillance, nous enlèverons votre équipement et permettrons à quelqu'un d'autre de s'y installer. Bon, il est temps de parler de votre matériel de pêche. Le montage et l'appât ne sont que deux des outils de votre arsenal pour attraper des poissons. Opter pour la combinaison de montage et d'appât appropriée est essentielle pour attraper des carpes. Lorsque vous tenez une canne, vous pouvez changer de montage et d'appât simplement en ouvrant votre inventaire et en sélectionnant d'autres. Nous expliquerons le fonctionnement des différentes combinaisons au cours d'une autre leçon. Pour l'instant, changez juste votre montage et votre appât selon votre envie. Fermez votre inventaire lorsque les options de matériel choisies vous conviennent. Bien, vous occupez un poste et avez préparé votre bas de ligne. Je vais maintenant vous expliquer le lancer dans Dovetail Games Eurofishing. Commencez par marcher jusqu'à l'avant du poste. Une fois au bord de l'eau, vous devriez pouvoir ouvrir l'anse, tenir la ligne et vous mettre en position pour lancer. Lorsque vous tenez la ligne, vous devez tirer la canne en arrière jusqu'à ce que le plomb soit derrière vous. N'oubliez pas de tenir la ligne ou l'appât tombera. Maintenant que le plomb est derrière vous et que vos bras sont tendus, projetez la canne vers l'avant. Vous devrez maîtriser cette action pour réussir un lancer de longue portée. Entraînez-vous à faire ce mouvement pour vous y habituer. Maintenant que vous avez eu le temps de vous entraîner, place à un vrai lancer. Tirez à nouveau la canne en arrière jusqu'à ce que le plomb soit derrière vous. Cette fois, lorsque vous projetez la canne devant vous, relâchez la ligne au bon moment pour réussir à lancer. Essayez de lancer votre ligne au-delà de 15 mètres. Si vous n'atteignez pas cette distance lors de votre premier essai, moulinez et réessayez. Vous pouvez évaluer le type de lit grâce aux vibrations ressenties dans la canne lorsque l'appât touche le lit du lac. Cette information est essentielle, car vous devrez utiliser des montages et des appâts appropriés au type de lit. Malheureusement, les poissons ne mordent pas pour le moment. Ramenez donc la ligne et arrêtons-nous là pour aujourd'hui.
Bienvenue pour une autre leçon. Je sais que vous voulez entrer tout de suite dans le vif du sujet et attraper de gros poissons, mais il faut bien commencer par le début. Croyez-moi, lorsque vous serez sur la berge avec une prise à l'hameçon, vous me remercierez. Prenez votre canne et allons-y. Comme la dernière fois, dirigez-vous vers un poste et installez votre équipement. Parlons maintenant de la lecture de l'eau. Prenez le temps d'observer l'endroit où vous pêchez. Comme vous le voyez, le bord opposé du lac offre un bel emplacement, surplombé par des arbres et bordé de roseaux, l'endroit rêvé pour les carpes. Tout le monde est capable de lancer une ligne et d'attendre une prise occasionnelle. Mais il faut du talent et de la technique pour attraper régulièrement de gros poissons. La lecture de l'eau fait la différence. Cela consiste notamment à chercher des indices visuels. Essayez de repérer des éclaboussements, des ombres ou reflets, ou encore des bulles produites par un poisson qui se nourrit. Ils indiquent tous la présence de poissons dans la zone, et donc les endroits à cibler. On dirait qu'il y a beaucoup d'algues là-bas. Elles vont compliquer les choses. Les algues font le bonheur des poissons et le malheur des pêcheurs. Si vous utilisez un appât de fond et le lancez dans les algues, il sera caché et les poissons ne le trouveront pas facilement. Elles peuvent également emmêler votre ligne et permettre aux poissons d'échapper à votre hameçon. Lorsque vous pêchez sur un lit d'algues, privilégiez quelque chose qui reste au-dessus. Un montage chud rig fera l'affaire. Ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le mien pour le moment. Mais il faudra me le rendre à la fin de la leçon. Lorsque tout est prêt, lancez votre ligne vers les algues de la berge opposée. Si vous n'atteignez pas l'objectif la première fois, ramenez simplement la ligne et réessayez. Par contre, essayez de ne pas le faire trop souvent, cela pourrait effrayer le poisson.
Parfait. L'explication va être un peu technique, donc écoutez bien. Votre ligne est attachée à un moulinet sur votre canne et tous les moulinets sont équipés d'un système de frein réglable. Ce système détermine la résistance offerte au poisson pour dérouler la ligne. Si vous le réglez sur le minimum, le poisson pourra facilement tirer sur la ligne et s'éloignera avec. Au contraire, si vous réglez le système sur le maximum, le poisson ne pourra pas du tout dérouler la ligne, elle sera bloquée et il ne pourra pas bouger. Mettons maintenant la théorie en pratique. Essayez de régler le frein de votre moulinet sur 90%. Si vous aviez un poisson au bout de la ligne, il aurait du mal à dérouler la ligne. Néanmoins, gardez à l'esprit que lorsque le réglage de votre frein est aussi élevé, vous augmentez la tension de la ligne, ce qui pourrait vous faire perdre le poisson. Pour surveiller la tension, regardez votre système de frein. Lorsqu'il y aura un poisson au bout de votre ligne, vous pourrez voir la tension exercée sur celle-ci en consultant la jauge de tension. Le bleu indique une tension faible et le rouge indique une tension élevée. Les deux indicateurs aux extrémités vous indiquent que le risque de perdre le poisson est élevé. Vous devez éviter ces extrémités et régler votre tension en conséquence pour sortir de la zone de danger. Dans cette optique, baissons le niveau de votre frein pour offrir plus de souplesse au poisson. Passons à 30%. Lorsque le frein est réglé si bas, le poisson peut dérouler la ligne avec un peu de résistance, mais pas assez pour le perdre. Le problème avec un réglage du frein aussi bas est que le poisson peut facilement tirer sur la ligne et se diriger vers des éléments qui pourraient l'accrocher. Il faut absolument le maintenir à distance des roseaux sur la berge et des lits d'algues. Si le poisson atteint l'un de ces endroits, vous risquez fortement de le perdre. Si par chance un poisson mord à l'hameçon et que vous tentez de le ramener, mon conseil est de garder un œil sur ses mouvements et ce qui l'entoure. Vérifiez constamment la tension pour vous assurer que vous avez ce qu'il faut pour le ramener sans qu'il ne s'échappe. Vous vous sentez d'attaque? Vous avez une touche. Voyons si vous avez bien écouté. Commencez par mouliner pour tendre la ligne et ancrer l'hameçon, mais gardez un œil sur la tension. Si vous perdez ce poisson, vous me devrez un nouveau chod rig. Attendez un peu avant de mouliner davantage pour limiter la tension. Vous pouvez ramener le poisson en tirant la canne en arrière, puis en moulinant pour ramener le mou... Vous voyez la tension sur la canne? À présent, avancez la canne et ramenez le mou de la ligne. Faites attention. Lorsque la tension de la ligne est trop faible, il est possible que le poisson s'échappe en recrachant l'hameçon. Et s'il y a trop de tension, j'imagine que vous devrez m'acheter un nouveau chod rig. Rapprochons ce poisson de la berge pour l'attraper avec l'épuisette. Vous pouvez placer la canne sur le côté pour tirer le poisson dans une certaine direction. Cette technique permet de garder le poisson à l'écart des lits de végétation et de le guider. Excellent. Vous allez bientôt pouvoir attraper ce poisson avec l'épuisette. Ramenez-le juste encore un peu plus près. N'oubliez pas de tirer la canne et de ramener le mou de la ligne pour bien rapprocher le poisson. Voilà, c'est l'heure de vérité. Il est temps d'attraper le poisson avec l'épuisette. Commencez par prendre l'épuisette. Regardez, vous avez attrapé une belle carpe commune. Vous avez également obtenu des points d'expérience et de matériel. Relâchons ce petit bonhomme dans l'eau et arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Et voilà, pendant cette leçon, nous avons vu comment ramener un poisson, comment gérer la tension et vous avez même attrapé une belle carpe commune. Bien joué! J'espère vous revoir prochainement sur la berge. Nous revoilà.
Cette fois, je vais vous apprendre une technique assez avancée pour attraper des poissons. Inutile d'installer votre équipement à un poste, nous partons traquer le poisson. La traque est un terme utilisé par les pêcheurs à la ligne lorsqu'ils essaient d'attraper des poissons proches de la berge. Quel intérêt, me direz-vous ? Eh bien, ramener une prise au milieu du lac et travailler le poisson est palpitant. Mais imaginez voir le poisson au bord et le voir dévorer vos appâts sous vos yeux avant de prendre la fuite. Voilà l'essence même de la traque. C'est de la pêche au corps à corps. Maintenant, allons-y et tâchons d'avoir une touche. Un des avantages majeurs de la traque est que vous ne devez pas rester à un poste. Vous pouvez vous déplacer librement autour du lac, à la recherche de poissons et de l'endroit idéal où lancer votre ligne. Essayez, marchez jusqu'au bord du lac et lancez votre ligne. Avant de lancer votre ligne, faites un pas en arrière et réfléchissez un instant. Si vous pêchez au bord et que vous essayez d'attraper un poisson à courte portée, vous n'allez pas faire un puissant lancer par-dessus la tête, n'est-ce pas ? Pour les courtes distances, le lancer par-dessus la tête n'est pas recommandé. Il est préférable d'opter pour un lancer sous le bras. C'est un lancer à courte portée idéal pour pêcher au bord. Un lancer sous le bras se fait de la même façon qu'un lancer par-dessus la tête. Maintenez simplement la ligne, tirez la canne en arrière et, le moment venu, projetez la canne vers l'avant et relâchez la ligne. Ça a l'air assez simple comme ça, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Entraînez-vous un peu pour vous habituer au lancer sous le bras. Sachez que vous pouvez toujours changer de posture lorsque vous vous préparez à lancer votre ligne. Pour cette leçon, continuons avec le lancer sous le bras. Hey, attendez, j'ai repéré des poissons là-bas. Vite, ramenez la ligne et positionnez-vous là-bas avant qu'ils ne s'enfuient. N'oubliez pas, lorsque vous pêchez au bord, il faut garder un œil sur l'eau pour repérer les poissons dans le lac. Lorsque vous voyez un poisson, vous devez immédiatement lancer votre ligne dans cette zone pour avoir une meilleure chance de le voir. Regardez, là-bas, vous les voyez ? J'imagine qu'il y en a d'autres. Vite, lancez votre ligne, ça mordra peut-être. Oh, est-ce que ça mord ? Oh, bien joué ! Comme la dernière fois, gardez un œil sur la tension de votre ligne et ramenez votre cible. Regardez celui-là. On dirait que vous avez obtenu d'autres points d'expérience. Ne nous arrêtons pas pour autant en si bon chemin. Relâchons-le et voyons si vous pouvez en attraper un autre. Cette fois, je vous laisse faire. Je vous ai appris tout ce que je sais sur la traque aux poissons. Voyons si vous arrivez à appliquer ces connaissances et à en attraper un tout seul.
C'est un superbe poisson. Dommage qu'il ne soit pas très gros, mais attraper ces jolies carpes est toujours amusant. Bon, allons-y. Le sujet de cette leçon est l'appâtage avec un spod, un outil formidable pour attirer les poissons avec de la nourriture. Commençons par la base. Comme vous le savez peut-être, l'appâtage est un terme utilisé par les pêcheurs à la ligne lorsqu'ils déposent des appâts libres dans une zone pour nourrir les poissons. Pourquoi un pêcheur utiliserait-il ses appâts sans hameçon? Eh bien, c'est un peu comme proposer un buffet à volonté aux poissons. Ils ne peuvent pas y résister. Maintenant, imaginez un hameçon bien placé en plein milieu de cette frénésie. Il est très probable que vous ayez une touche dans ce chaos. Voilà pour le principe de l'appâtage. Maintenant, passons à la pratique. Pour commencer, installez-vous à un poste et équipez votre spod. Regardons maintenant votre assortiment de câbles. Vous devriez voir qu'un spod est maintenant disponible. Sélectionnez-le pour l'utiliser. C'est aussi simple que ça. À présent, je vais vous expliquer ce qu'est un spod. Vous voyez cet élément en forme de fusée au bout de votre canne? C'est un spod. Il est rempli d'appâts et à chaque fois que vous le lancez et qu'il atteint l'eau, il dépose sa charge. Il indique aux poissons de la zone que le buffet est ouvert et c'est exactement ce que vous voulez. Essayez. Lancez le spod comme vous lanceriez une canne normale. Essayez de viser le milieu du lac. Généralement, il est conseillé d'appâter une zone plusieurs fois pour y ajouter beaucoup de nourriture. Pour toujours lancer le spod à la même distance, vous pouvez régler le clip-ligne. Le clip-ligne limite la longueur de ligne pouvant être libérée par le moulinet. En réglant le clip-ligne, vous atteindrez toujours la même distance maximale. Essayez maintenant de régler le clip-ligne de moulinet et de lancer à nouveau dans la même... Voilà!
Pour enlever le clip, il suffit de relâcher la ligne lorsque le spod est dans l'eau. Voilà qui est fait. Maintenant, passons à un appât avec hameçon et plaçons-le avant que la frénésie ne démarre. Bien, les choses sérieuses commencent. Vous devez lancer votre ligne dans la zone à pâté sans le clip ligne. Je vais vous apprendre une petite technique qui devrait vous aider. Vous devez vous préparer pour le lancer le plus long possible et, au moment du lancer, maintenir à nouveau la ligne pour la ralentir. Cela réduira la vitesse à laquelle la ligne quitte le tambour et devrait donc vous aider à guider le montage vers la zone à pâté. Essayez. Faites un lancer puissant par-dessus la tête et lorsque vous relâcherez la ligne, maintenez-la à nouveau pour la ralentir.